Nos forêts regorgent de mythes et de mystères, et certains ont traversé des siècles. C'est le cas de la bête du Gévaudan. C'est une créature énigmatique qui a terrorisé, il faut bien le dire, le 18e siècle, les habitants de l'actuelle Lozère. Et vous, Sophie, eh bien, vous avez eu cette tâche, on peut dire, assez périlleuse de mener l'enquête. Vous n'avez pas eu peur? Ben, je vous avoue, Stéphane, que j'ai parfois été un petit peu effrayée. Ah oui, ça, oui, parce que la Lozère, c'est quand même le département le moins peuplé de France. Et donc, on se balade dans ces forêts immenses, sans croiser personne, pendant des temps qui sont parfois très longs, des ambiances comme ça d'automne un petit peu particulières, avec des lumières déclinantes. Enfin, c'est très spécial. Hein. Et vous avez traqué la bête du Gévaudan. J'ai traqué la bête du Gévaudan. On va peut-être savoir ce qui se cache derrière ce mystère. La bête du Gévaudan. La forêt qui est juste derrière moi a été le lieu d'un meurtre effroyable. C'est là qu'on a retrouvé le corps sans vie de la jeune Jeanne Boulet. Mais je vous rassure, c'était il y a plus de 250 ans. Jeanne Boulet avait alors 14 ans. Son corps est retrouvé déchiqueté, mutilé et on ne sait pas par quoi. On évoque alors une bête mystérieuse, un loup, un ours, peut-être même un tueur en série. C'est le point de départ d'une affaire qui va passionner la France et l'Europe entière. L'affaire de la bête du Gévaudan. Jeanne Boulet est la toute première victime de la bête du Gévaudan. Beaucoup d'autres suivront. À l'époque, la terreur règne dans la région. Au cœur des attaques, le petit village d'Auvers où vit Bernard Soulier. Et la plupart des victimes ont un peu le même profil que cette jeune Jeanne Boulet. Alors, la plupart des victimes de la bête du Gévaudan sont des enfants, des jeunes enfants, disons entre 8 et 15 ans, gardiens de bovins. C'est la majorité des victimes. Ce sont dans cette tranche d'âge-là et dans cette catégorie-là. Et au total, il y a combien de morts qu'on impute comme ça à la bête de Gévaudan? Alors, c'est pas défini très exactement le nombre de morts, mais environ 80 victimes. Pour la bête du Gévaudan, 80 victimes tuées, dévorées par la bête. Le plus souvent, la bête ne laisse aucune chance à ceux qui la croisent. Les rares personnes qui parviennent à lui échapper décrivent un animal fantastique, gigantesque, immortel, comme une punition divine. Et il faut bien imaginer qu'à l'époque, il y avait une véritable psychose collective dans ce village, dans le village des environs, autour de la bête du Gévaudan. Ah oui, bien sûr, tous les gens avaient peur de la bête, tous les gens craignaient la bête. Il faut imaginer que bon, les gardiens de troupeaux étaient attaqués, les femmes pouvaient être attaquées, la bête pouvait même attaquer dans les villages. On a des cas où des enfants ont été saisis devant leur maison, en train de jouer devant la maison. Les gens empêchaient les enfants de sortir, il y avait comme ça des mesures qui étaient un peu mises en place. Alors les autorités avaient demandé que soit on ne laisse pas sortir les enfants, soit on les fasse se regrouper pour aller garder les troupeaux de vaches. Mais bon, la plupart n'ont pas appliqué ça parce qu'ils n'avaient pas les moyens de l'appliquer. Ben, il fallait bien que le travail de la campagne se fasse, donc les gens n'avaient pas le choix. Hein. Si un mystère plane sur la cause des décès, le fait que des dizaines de corps aient alors été retrouvés mutilés, en partie dévoré, est irréfutable. Bernard Soulier en conserve d'ailleurs les preuves. Merci de nous accueillir chez vous. Ben, je vous en prie. Il a chez lui des copies des registres paroissiaux de l'époque. Donc cet acte de décès nous parle d'une femme qui s'appelle Delphine Courtiol. Le prêtre a écrit ceci. Delphine Courtiol a été dévorée dans son jardin, au dit lieu, par une bête féroce inconnue. Monseigneur l'évêque de Mende a ordonné actuellement des prières publiques pour sa destruction. Dieu veuille nous la procurer et nous délivrer d'un si terrible fléau. Et la dernière phrase, qui est remarquable à mon avis, le prêtre a écrit « J'écris ceci pour les siècles à venir ». On peut dire qu'il a été entendu. Oui, il a été entendu. Mais ce qui est très important, c'est que à cette époque-là, donc 1765, ce prêtre, ce curé d'Apcher, a vraiment eu l'impression qu'il vivait quelque chose d'extraordinaire. Sinon, il n'aurait jamais écrit cette phrase-là. Et ces morts s'inscrivent dans un contexte particulier. La France sort tout juste de la guerre de 7 ans contre l'Angleterre, et elle l'a perdue. Le climat est morose, l'actualité n'est pas trépidante, alors les journaux vont s'emparer de l'histoire. Ce qui n'était qu'une affaire locale va prendre de l'ampleur.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un des premiers faits divers de l'histoire de France? Ah, je pense, oui. C'est un des premiers faits divers dont la presse s'est saisie et a fait monter la mayonnaise, à mon avis. Alors, les journaux qui ont parlé de la bête, le Courrier d'Avignon, par exemple, et à chaque parution, quasiment, ils mentionnaient un épisode sur la bête du Gévaudan. Alors, la Gazette de France, qui était le journal officiel de l'époque, un petit peu, eh bien, là aussi, quasiment à chaque parution, la Gazette de France mentionnait un petit article sur la bête. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Gazette de France était lue à la cour de Versailles. Et c'est en lisant ce journal que Louis XV s'est aperçu qu'il y avait vraiment un problème en Gévaudan. À la cour, l'affaire de la bête du Gévaudan est sur toutes les lèvres. Son histoire va même dépasser les frontières du royaume. On en parle en Italie et jusqu'au Québec. Mais pour Louis XV, le coup de grâce vient d'Angleterre. Le souverain français est raillé, accusé d'être incompétent pour protéger ses sujets. Et ça a assez contrarié le roi de France, puisque les journaux anglais se moquaient un petit peu de ce roi de France qui était incapable de se débarrasser d'une bête féroce. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il décide d'agir. Voilà, il décide d'agir, il décide d'envoyer en Gévaudan son premier porte-arquebuse, François-Antoine, qui vient donc chez nous avec ordre de tuer la bête du Gévaudan. Après 3 mois de traque, en septembre 1765, le lieutenant des chasses du roi abat un gros loup. Officiellement, il s'agit de la bête. À la cour, l'affaire est enterrée, mais en réalité, sur le terrain, les attaques continuent pendant encore presque 2 ans. À croire qu'il ne s'agirait pas d'un loup. Alors, pour en avoir le cœur net, je vais à la rencontre des loups du Gévaudan. Voilà. Et si vous voulez, voilà. Ah là là, c'est extraordinaire. Et vous pouvez vous baisser un peu, même ils auront moins peur de vous. Faut pas tendre les mains, c'est ça? Tendez pas les mains, non. Mais non, parce que moi, je leur propose des petits morceaux de mouton, c'est pas grave. Non, je connais pas les moutons. Après, si, ils peuvent sentir l'odeur de l'animal, mais ils connaissent pas directement le mouton. Ah ouais, d'accord. Et donc, vous, ça fait 20 ans que vous travaillez ici? Voilà, 21 ans, tout à fait. Vous les connaissez par cœur, vos loups? C'est un peu ça. Sylvain Maquis étudie les loups et vit à leur contact depuis une trentaine d'années. Alors pour vous, la bête du Gévaudan, c'est vraiment une bête qu'il faut dissocier du loup? Bien sûr. Et pour moi, il est évident qu'il ne s'agissait pas de loups. Enfin, d'un loup ou de plusieurs loups. Il faut noter 2-3 points. Je vais surtout vous donner matière à réflexion. Mais si on était capable, 250 ans en arrière, de laisser un enfant seul en protection près d'un troupeau de moutons, alors qu'il y avait des loups en très grande quantité, c'est parce qu'on avait déjà compris que les loups n'attaquaient pas l'homme. Les seules armes dont ils pouvaient disposer, ces jeunes femmes ou enfants, c'était quoi? Le menacer avec un bâton, lui jeter 2-3 pierres, frapper les sabots l'un contre l'autre. Et cela suffisait à éloigner les loups. Et puis ensuite, les paysans avaient aussi l'habitude de voir des loups. Ils savaient à quoi ressemblait un loup. Et ils ont parlé d'une bête parce qu'ils n'ont pas pu l'identifier. C'est pas l'histoire du loup du Gévaudan, c'est l'histoire de la bête du Gévaudan. Pour vous, à l'époque, les gens auraient appelé un loup, en fait. Exactement. Et puis, regardez, de nos jours, où vous avez des loups en liberté en France, les loups sont amenés à attaquer des troupeaux si ceux-ci ne sont pas suffisamment correctement protégés. Le loup cherche toujours la facilité. Mais cette fameuse bête, à l'époque, ne ciblait que le protecteur du troupeau, délaissant systématiquement agneaux et brebis. Quand vous avez des loups aujourd'hui en Italie, en France, en Espagne, qui attaquent des troupeaux, ils visent, même si ceux-ci sont protégés, ils cherchent à attaquer l'animal à 4 pattes et non pas le bipède que nous sommes. La bête ne serait donc pas un loup. D'autres thèses évoquent une hyène, un ours, un croisement entre un chien de combat et un loup, ou même un tueur en série. Un paysan de la région est d'ailleurs incriminé, Jean Chastel. Il aurait dressé un animal non identifié à l'attaque avant de l'abattre. Et depuis ce jour de 1767, étrangement, après 3 ans de terreur, les agressions s'arrêtent. C'est la naissance d'un mythe, toujours entretenu dans la région. Alors, je suis au musée de la bête du Gévaudan, dans le noir, toute seule. Et c'est assez effrayant parce que les représentations, notamment des victimes de la bête, sont très, très réalistes.
Voilà, comme cette dame qui n'a donc plus de tête. Donc là, maintenant, il y a des enfants morts. Voilà, partout, autour de moi. Ah mon Dieu! C'est vraiment effrayant, hein. C'est très spécial. Fais gaffe aux cadavres. Au fil d'une vingtaine de scénettes, ce musée retrace toute l'histoire de la bête du Gévaudan. Il a été créé par un habitant du village, et c'est sa fille qui le dirige aujourd'hui. Et vous, vous avez une conviction à force de la côtoyer comme ça, cette bête, depuis tant d'années ? Non. Je ne me pose pas tant de questions. Je me dis que depuis 250 ans, si on n'a pas trouvé, c'est toujours le mystère. Et c'est bien comme ça ? Ah, il faut que ça reste comme ça, oui. Deux siècles et demi après avoir sévi dans la région... Ah, voilà ! C'est la bête. La bête du Gévaudan n'est donc toujours pas prête à révéler tous ses secrets. Bon, Sophie, alors le mystère reste entier. Le mystère reste entier. Je suis désolée, Stéphane, de ne pas l'avoir élucidé. En même temps, je ne suis pas la seule à penser que ça reste un mystère. Il y a beaucoup On sait que ce n'est pas un loup. A priori, c'est pas un loup, mais ça peut pas être un loup. Là aussi, il y a des historiens qui ont beaucoup travaillé sur la question et qui aujourd'hui encore maintiennent la thèse du loup. Donc on a tous, quand on s'y intéresse, des convictions intimes. Mais voilà, personne n'en mettrait sa main à couper. En tout cas, une chose est sûre, c'est le premier grand fait divers qui a évidemment eu cette résonance en France et même au-delà de nos frontières. Exactement. Ça a été énorme à l'époque. Ça a inspiré des films, des livres. Énormément de films, énormément de livres. Alors, le dernier film le plus connu, c'est celui de Christophe Gans, Le Pacte des loups, c'était en 2001. Il y a eu un téléfilm aussi après sur France Télévisions. Il y a eu beaucoup de téléfilms d'ailleurs, même dans les années 60. Enfin, voilà. Ça passionne, en fait, la bête du Gévaudan. Mais depuis notre enfance, on a peur aussi de la forêt. À cause du petit chaperon rouge, on pense qu'on va se faire dévorer, non ? C'est un lieu de mythe, mais il ne faut pas oublier que c'est l'extérieur qui fait peur, en effet. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la forêt, c'est ce qui nous permet justement de définir notre intérieur. Et on y va souvent quand on a besoin de se retrouver soi-même. Donc il y a une part de mythe, en effet, très forte. Et puis il y a un attachement très fort, pour savoir qu'au début, il y avait la forêt. Oui. Et puis les clairières, puis les villages, puis les villes. Puis les sociétés savantes, finalement, qui aujourd'hui nous font retourner en forêt. Et il faut retourner en forêt, il faut revivre la proximité de tous ces... Mais est-ce que on est fasciné et en même temps un peu inquiet par la quiétude qui règne dans les forêts. Il y a le silence, c'est un endroit très silencieux. On a presque peur de nos pas quand on marche à l'automne, par exemple, sur les feuilles mortes. Oui, c'est vrai, mais parce qu'on fréquente notre intériorité qui parfois nous effraie aussi, peut-être, et aussi nos racines, c'est-à-dire voilà notre histoire. Voilà, la forêt, c'est en effet un endroit où on se sent seul et où on peut être surpris à se libérer aussi, peut-être. Voilà, on a peur d'être vu. Quand on parlait de l'envie qu'on peut avoir parfois d'enlacer un arbre, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie de faire sous la vue de tout le monde. C'est très intime. Gênant. Donc on est en forêt pour se retrouver, on peut enlacer la personne avec l'arbre, si vous voulez. Mais en tout cas, ce qui est drôle, c'est que c'est le même mot qui sert pour parler de nos racines et des racines des arbres. Parce que nous venons de la forêt. Et vous, votre credo, c'est qu'il faut retourner à la forêt. Il faut retourner à la forêt, il faut réintroduire l'arbre dans notre quotidien, dans notre avenir, parce que nous en dépendons. Voilà, nous respirons l'arbre, nous mangeons l'arbre, nous marchons, nous vivons. Donc voilà, le retour vers l'arbre.